Vous pouvez perdre vos documents Word pour différentes raisons. Coupure de courant, plantage du système, suppression accidentelle. Voici 4 méthodes pour récupérer un document Word non enregistré ou supprimé par erreur. Voici la première méthode. Volontairement, je ne vais pas enregistrer ce document. Je clique sur « Ne pas enregistrer ». Je me rends ensuite dans « Récupérer des documents non enregistrés ». Et par chance, j'ai pu récupérer mon fichier texte. Il existe une deuxième méthode. Je vais procéder de la même façon. Je ne sauvegarde pas le texte que j'ai écrit. Je clique sur « Ne pas enregistrer ». Je me rends ensuite dans « Fichier »,« Options », »,« Enregistrement » et je vais chercher le chemin de l'emplacement de récupération automatique. Je peux cliquer directement sur « Parcourir » ou ouvrir l'explorateur de fichiers et coller le chemin. Et comme vous le voyez, malheureusement, cette méthode ne fonctionne pas toujours puisque nous n'avons rien récupéré. La troisième méthode consiste à récupérer un document que nous avons effacé par erreur et qui se retrouve ainsi dans la corbeille. Je vais d'abord sauvegarder mon texte. Ensuite, je vais le supprimer. Je me rends dans la corbeille. Et comme vous pouvez le voir, tout naturellement, le document s'y trouve. Je n'ai plus qu'à annuler la suppression. Enfin, la quatrième méthode, celle qui est la plus efficace, c'est celle où nous utilisons le logiciel Fordig, que vous pouvez télécharger et ensuite installer très simplement. J'ai ici un document Word sur mon bureau que je vais supprimer. Il se retrouve donc dans la corbeille. Je vais le supprimer également de la corbeille pour rendre les choses un peu plus difficiles. Je lance ensuite le logiciel Fordig qui m'offre plusieurs options. Ici, je vais choisir Emplacement commun, le bureau, et je clique ensuite sur Commencer. Le logiciel lance un scan et vous le voyez, en un peu moins de 20 minutes, il va me donner les résultats. Ceci est fait, Fordig m'a récupéré plus de 67 000 fichiers. Je peux ensuite choisir une vue par fichier et ici sélectionner directement le type de document que je recherche. En l'occurrence, c'était un document Word. Cela fonctionne de la même façon avec les documents PPT ou Excel. Il ne me reste plus qu'à récupérer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour plus de conseils sur la récupération de vos données sous Windows, abonnez-vous à notre chaîne.